Bonjour à tous. On a avec nous 18 participants en ce moment, donc j'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit bien mon écran, plein écran. Je vais tenter de faire disparaître les onglets en bas. Donc, bienvenue à la séance inaugurale de la série Soutiller à bâtir ensemble la ville active, composée de 3 webinaires. Ce premier webinaire, comme l'expose son titre, sera destiné à favoriser l'aménagement d'environnements favorables à la santé dans le développement des communautés canadiennes. Donc, avant toute chose, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez envers le projet. L'équipe de Réseau Cartival est agréablement surprise de voir l'engouement envers les webinaires. Puis, au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Brièvement, notre mission aujourd'hui, c'est de faire connaître l'impact de la prise de décision en aménagement sur la santé et la notion d'équité. On veut vous outiller, vous, professionnels du milieu municipal ou de tout autre milieu pertinent lié à la santé ou à l'urbanisme, afin que vous puissiez, dans vos contextes respectifs, peu importe, vous êtes au Canada ou même dans le monde, parce que je crois qu'on a des gens de la France aujourd'hui, tendre vers un environnement bâti favorable à la santé et à l'équité. Désolée pour ce petit fenêtre. Donc, c'est donc moi aujourd'hui, Marie-Joëlle. Je vais tenter de changer la diapositive. C'est moi, Marie-Joëlle Chrétien, qui animera la séance d'aujourd'hui. Je suis actuellement agente de participation citoyenne au Centre d'écologie urbaine de Montréal. En parallèle avec ce mandat-là, je suis à la maîtrise en environnement et développement durable dans l'option perspective d'aménagement à l'Université de Montréal. Puis, dans mon mandat au Centre d'écologie, ça m'appelle aussi à faire partie de l'équipe du réseau Quartier Vert, que je nommerai probablement dans la présentation RQV. Donc, ce qu'on fait chez Réseau Quartier Vert, c'est d'agir chaque jour pour bâtir ensemble les villes vertes, actives et en santé. Puis, RQV, dans le fond, ça émane d'un partenariat entre 3 organismes canadiens. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal, auquel j'appartiens, le Toronto Center for Active Transportation et Sustainable Calgary. Depuis 10 ans, ces 3 organismes développent et partagent des approches qui permettent de concevoir collectivement des quartiers vivants. Le réseau Quartier Vert développe aussi les capacités locales pour passer à l'action. Ce qu'on entend par passer à l'action, c'est de bâtir des milieux de vie qui favorisent les transports actifs puis qui offrent un aménagement urbain sécuritaire et accueillant pour tous. Notre approche, donc, se trouve au croisement de 3 thèmes, c'est-à-dire celui de la santé, de l'équité et de l'environnement bâti, puis c'est celle qu'on appelle l'urbanisme participatif. Je suis donc celle destinée aujourd'hui à mobiliser les connaissances autour de cette approche, qui j'espère sera susciter votre intérêt envers sa mise en application. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont dans un premier temps d'exposer ce qu'est la participation citoyenne et en quoi elle est importante pour mener à bien un projet. Donc, on va s'efforcer de bien la comprendre. Ensuite, on clarifiera comment l'urbanisme participatif a une incidence sur la santé. Troisièmement, une étude de cas lavalloise sera présentée pour imager la transformation d'un milieu en faveur de la santé de ses résidents. Le 4e volet portera sur l'urbanisme participatif et ses impacts sur l'équité. Pour que vous puissiez repartir avec une idée claire de comment on peut faire pour faire preuve d'équité dans la mise en application de l'approche d'urbanisme participatif, je présenterai 2 études de cas, une à Toronto, une autre à Montréal. Et finalement, on procédera à une période de questions d'une quinzaine de minutes. Rapidement, pour ce qui est de la période de questions, il est important de savoir que les réponses aux questions seront abordées à l'oral en fin de séance avec un des collaborateurs du réseau Quartier Vert là, que je prendrai soin de vous présenter plus tard. Puis, sur 1 heure de séance, donc plus ou moins 15 minutes seront allouées à cette partie-là.
Pendant toute la séance, vous êtes invité à poser vos questions via la fenêtre de discussion qui est probablement située à la droite de votre écran. Donc, vous avez tout simplement à taper vos questions tout au long de la séance. Là, laissez-vous aller, toutes les questions sont bonnes. Donc, à noter aussi que le webinaire est enregistré actuellement. Donc, tant l'enregistrement que la présentation visuelle, toutes les sources présentées, puis aussi les questions ou réponses seront archivées sur notre site web, urbanisteparticipatif.ca. Donc, si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui ou que tout simplement vous voulez vous y référer à une date ultérieure, tout le contenu sera sur notre site web. Je suis assurée que tout est beau à ce niveau-là. Commençons donc avec la participation citoyenne. Autant pour le citoyen que pour le décideur, il peut parfois être difficile de bien la comprendre. On peut chercher à savoir pourquoi l'initier, qui doit la piloter, comment s'y prendre, donc mille et une questions. On démystifiera tout ça dans cette partie. À commencer par le commencement, c'est-à-dire en tant que décideur, il est primordial de demander pourquoi les citoyens voudraient bien s'impliquer. En fait, c'est assez simple. C'est pour faire entendre leur voix. Donc, parce qu'ils vivent des problèmes au quotidien, parce qu'ils trouvent des frustrations dans leur communauté par rapport à un enjeu bien précis. Ils ont des rêves en tête à vouloir réaliser au sein de leur quartier. Ils veulent revendiquer une cause qui les tient à cœur. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour un citoyen de bien vouloir, de vouloir s'impliquer. Pourquoi la participation citoyenne? Ben, plusieurs bénéfices ressortent de l'implication des citoyens. L'implication permet, premièrement, la rencontre des deux savoirs. Qu'on entend par là, c'est qu'elle permet de compléter les connaissances techniques des professionnels de l'aménagement urbain, et c'est en les informant de ce que vivent les citoyens au quotidien. Donc, les citoyens sont en quelque sorte les experts du territoire qu'ils habitent, parce qu'ils connaissent mieux que n'importe qui. L'implication citoyenne permet de prioriser les besoins et les lieux d'intervention. Alors, permet par le fait même d'intervenir efficacement, c'est-à-dire où c'est urgent, où ça fait mal, disons. Puis, parmi plusieurs autres bénéfices, la participation citoyenne favorise ultimement la bonification et l'appropriation d'un projet par la communauté. Dans ce même ordre d'idées, un article écrit par dans le Community Development Journal, par Natasha Blanchet-Cohen, appuie les bénéfices de l'implication citoyenne en soulignant que les résidents doivent être impliqués dans le développement des quartiers parce qu'ils détiennent des connaissances tant qualitatives que quantitatives, différentes de celles des experts en aménagement. Puis c'est effectivement eux qu'il faut approcher parce qu'ils connaissent ce qui est réellement bon pour eux puis ce qui n'est pas. Pour que la participation soit optimale et qu'elle soit inclusive, il est important de se rappeler les points suivants. Il faut d'abord partir avec l'idée que les professionnels de l'urbanisme participatif n'ont pas de projet fini en tête avant la consultation publique. Donc, c'est collectivement qu'on le met à terme ou qu'on l'établit, ce projet-là. Aussi, il faut penser que la participation citoyenne doit impliquer de demander l'avis de tout le monde tout le temps. Ce qu'on veut, c'est avoir la plus grande diversité de personnes représentées dans celles qui participent. Donc, bien évidemment, il faut arriver à faire participer les groupes sous-représentés ou difficiles à joindre, comme les immigrants, les personnes âgées, les jeunes ou les femmes. Par contre, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'objectif de la participation citoyenne, c'est pas non plus d'aller atteindre uniquement ces groupes de personnes, mais d'avoir, comme je disais plus tôt, une diversité de genre représentée dans les participants. De plus, on va consulter les citoyens en amont et intégrer leurs observations, leurs préoccupations et leurs aspirations dès le départ et tout au long du processus, c'est-à-dire de la planification à l'implantation du projet. Ça donne l'occasion à l'ensemble des participants de trouver collectivement des solutions qui correspondent aux besoins réels de leur communauté. Le processus d'urbanisme participatif
se divise en 6 phases, comme vous voyez à l'écran, ayant chacune une importance particulière, à commencer par la phase de démarrage. Ici, ça implique naturellement d'établir un partenariat avec les acteurs locaux pertinents au projet, comme les personnes habilitées à prendre des décisions quant à la transformation du milieu, comme les élus ou les professionnels municipaux, et aussi ben, tout autre partenaire susceptible de mobiliser des citoyens comme les organismes. Puis, ben, évidemment, ça prend les citoyens. Ensuite, il faut comprendre le territoire en réalisant un portrait diagnostique à partir de certains outils qu'on peut mettre en œuvre, comme des marches exploratoires accompagnées des citoyens, des sondages et des pièces d'information. La phase d'exploration, elle, permet d'identifier les possibilités d'aménagement en réunissant les parties prenantes et en les invitant à prendre part à des ateliers de co-création pour proposer leurs idées et discuter des différentes avenues possibles. Donc, autrement dit, c'est ici qu'on fait un remue-ménage et que les idées de tout le monde circulent. Vient ensuite le moment de décider et de valider auprès de l'ensemble des acteurs si les solutions développées répondent toujours aux besoins identifiés dans les étapes précédentes. Il est important de comprendre que c'est ici qu'on apporte les modifications nécessaires ou plutôt qu'on enrichit les solutions avec l'aide des professionnels de la municipalité. Puis, c'est aussi ici qu'on essaie de rapprocher les acteurs vers une position commune et satisfaisante pour tous parce qu'effectivement, les points de vue peuvent différer. Le fait d'agir veut essentiellement dire d'aller sur le terrain puis d'implanter les solutions proposées par et pour les citoyens. Les activités dans ces phases-là, peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit la plantation d'arbres, un projet pilote ou la réalisation d'aménagements permanents. Plusieurs activités sont possibles ici. Enfin, la phase d'inauguration permet de souligner la transformation du milieu par un événement mobilisateur, comme une soirée de lancement, une conférence de presse ou une visite sur le terrain. En gros, c'est le processus d'urbanisme participatif. C'est un processus qui se veut à la base humain, continu, puis qui s'étale dans le temps. Donc, il faut être patient, puis il faut prendre le temps parce que chaque étape est importante. D'ailleurs, ouais, ça, si vous êtes intéressé à creuser davantage chaque phase que je viens de survoler ou pour en apprendre davantage sur le processus d'urbanisme participatif, il existe un guide qui est sur notre site internet, donc que vous voyez à l'écran. Je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur ça. Pour clore le volet sur la participation citoyenne, je tiens à mettre l'accent sur ces quelques éléments à garder en tête pour vous aider dans le processus. D'abord, assurez-vous d'être clair dans ce que vous allez chercher chez les participants. Ils doivent comprendre pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils se sentent inutiles, puis qu'ils sentent que leur temps est gaspillé ou qu'ils perdent leur temps en tant que tel. Également, une fois tous les acteurs assemblés lors d'ateliers, par exemple, essayez de créer une ambiance propice aux idées. Et prenez soin de mentionner que, justement, toutes les idées sont bonnes puis que chacune d'entre elles vaut la peine d'être soulevée. Aussi, formez des petits groupes quand vient le temps de faire ces ateliers-là pour faciliter les échanges. Et finalement, ayez un programme piloté par des animateurs expérimentés pour guider les citoyens. Ça permettra certainement de garder les discussions toujours en lien avec l'objectif de départ. Donc voilà, ça fait le tour de quelques éléments que je voulais vous rappeler. Nous sommes maintenant rendus au volet santé. Donc, la question à laquelle on aimerait répondre dans le prochain volet, c'est la suivante. Quels sont les impacts de l'urbanisme participatif sur la santé? Pour vous mettre en contexte, l'Agence de santé publique du Canada a dévoilé en 2017 les chiffres suivants, donc les pourcentages que vous voyez sur l'écran, pour inciter les Canadiens à adopter un mode de vie sain. Comme on peut remarquer, il faut encore aujourd'hui lutter contre la hausse de l'obésité et de l'excès de poids au pays. Je dis aujourd'hui, mais c'est en 2017, c'est quand même très récent. En effet, chez les adultes, on est passé de 49% en 78 à 64% en 2017.
Chez les jeunes, entre les mêmes années, on est passé de 23% à 30%. Donc, heureusement, on voit une petite amélioration entre 2004 et 2017, mais les taux sont encore assez importants, disons. Il est d'autant plus important d'agir quand on sait que le bulletin 2018 de participation donnait au Canada la note de D+ quant à la santé globale de ces jeunes et de D- quant à leur mobilité active. Vu la situation, les professionnels de la santé pensent qu'à eux seuls, ils peuvent pas parvenir à régler la situation, puis que d'autres acteurs clés peuvent effectivement prendre part au mouvement en faveur de la santé des Canadiens. Puis c'est ici que vous pouvez intervenir, c'est-à-dire dans la prise de décision et d'aménagement du territoire. À la lumière de ces dernières données, un rapport de l'Agence de santé publique du Canada a été élaboré en 2017, concevoir un mode de vie sain. Ça a été élaboré pour sensibiliser les Canadiens sur la façon dont le milieu bâti, c'est-à-dire l'environnement physique externe dans lequel on vit, sert d'assise à notre santé. Thérésa Tam, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, soutient que sans qu'on s'en rende vraiment compte, nos quartiers puis la façon dont ils sont construits ont une incidence sur notre santé, et que si l'environnement bâti favorisait le transport actif, comme la marche ou le vélo, ça répondrait clairement aux besoins croissants des Canadiens de prendre soin de leur santé. Mais pourquoi on en est rendu là? C'est-à-dire pourquoi on est aux prises avec des problèmes de santé puis une diminution de l'activité physique? Eh bien, c'est vraiment dû à la montée de l'automobile dans les dernières décennies et l'augmentation des distances parcourues puis des temps de déplacement. Tout ça a changé le portrait de la mobilité partout dans le monde, dont ici au Canada. C'est vrai que l'automobile, c'est commun, mais la flexibilité et la rapidité qu'elle offre a rendu les gens fortement dépendants à son utilisation. Il y a aussi les nouveaux modes de consommation et l'arrivée des technologies de l'information et de la communication qui ont contribué à changer notre rapport tant à l'alimentation qu'au temps. Pour cette raison, plus de produits transformés sont consommés, plus de temps est passé devant les écrans. Tout ceci résulte donc en une diminution du temps consacré à l'activité physique et en une augmentation des problèmes de santé. C'est pourquoi on s'efforce de rappeler que de miser sur la planification de l'environnement bâti est une excellente façon d'avoir un impact majeur sur la santé de cette population. Les bienfaits de l'environnement bâti sur la santé sont prouvés et nombreux. Des quartiers planifiés selon certaines caractéristiques sont plus enclins à inciter leurs citoyens à bouger. Par exemple, une mixité des activités, une certaine compacité, des rues connectées entre elles, des destinations à proximité, la présence de petits clubs, de trottoirs, d'espaces verts, etc. Ce sont toutes des caractéristiques favorables à l'activité physique. Et si un quartier incite ses citoyens à bouger, ben, il contribue par le fait même à la réduction du risque de décès prématuré, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de mauvaise santé mentale, pardon, donc moins de dépression, entre autres. Je reviens ici aux caractéristiques que j'ai mentionnées parce qu'il est important de bien les comprendre. Si on commence par la mixité des activités, en fait, elle se définit comme la présence de différentes activités au sein d'un même lieu, c'est-à-dire autant des activités résidentielles que socio-économiques, comme la présence de bureaux, de commerces, d'institutions, de services publics ou de parcs. C'est ce qui crée un milieu de vie complet où plusieurs usages peuvent s'opérer. Donc, ce sont un milieu où on peut à la fois habiter, travailler, se divertir, faire ses emplettes, son épicerie, etc. Et dans l'optique où nous parlions plutôt de consommation de produits transformés, c'est aussi ici, que la planification est importante. Parce qu'effectivement, on ne veut pas mettre à la disposition de nos résidents uniquement des dépanneurs ou des restaurants fast-food. On veut planifier les activités pour qu'ils aient accès à des aliments sains et locaux, si possible. Donc, des légumes, des fruits, aussi accès à des jardins communautaires, des marchés publics, des épiceries surtout. La compacité maintenant, elle réfère au rapport entre les surfaces bâties et non bâties. Il s'agit d'une manière d'occuper le territoire en limitant les espaces vides et les discontinuités.
La compacité permet de créer des milieux de vie à la fois denses et conviviaux, respectueux de l'échelle humaine et favorables à la création d'une ville de courte distance. La connectivité maintenant, c'est le fait de pouvoir accéder à des itinéraires variés et continus à l'intérieur du quartier, mais aussi vers l'extérieur du quartier. Puis cette caractéristique offre davantage de possibilités de déplacement et optimise leur efficacité. Enfin, il existe plusieurs exemples d'aménagement de qualité, comme des trottoirs bien entretenus et d'une largeur raisonnable, des aménagements cyclables unidirectionnels, un éclairage à échelle humaine, donc un éclairage qui ne sert pas uniquement aux autos, des arbres créant de l'ombre pour le confort des piétons, du mobilier sur rue pour se reposer, tels que des bancs, des tables, des parquetoirs. En résumé, si dans l'aménagement d'un quartier, ces caractéristiques-là sont considérées, sont combinées, puis sont aussi planifiées avec les citoyens, mais ça ne peut que les encourager à marcher puis à faire du vélo au quotidien. Puis ce, pas juste dans leur activité récréative, là, mais dans leur déplacement quotidien vers le travail ou l'école, par exemple. En considérant puis en combinant ces caractéristiques-là, ça peut aussi éviter des situations comme on peut voir sur cette photo, c'est-à-dire un contexte urbain où, oui, on a une certaine compacité à l'arrière, comme on peut voir à l'arrière, mais où aucun réseau piétonnier ni cyclable sécuritaire permet de traverser la route ou même de marcher aux abords de celle-ci. L'accès au domaine public, dans le fond, n'est pas du tout pris en compte. Puis ça fait en sorte que l'envie de prendre son auto dans un contexte comme celui-là est probablement plus forte que celle d'utiliser ses pieds ou même d'utiliser le vélo pour se déplacer. La littérature rapporte également que le simple fait de proposer des infrastructures favorisant le transport actif contribue à l'augmentation des déplacements actifs dans un secteur. Il y a également Jan Gehl, urbaniste danois, qui soutient que si les anciens et les nouveaux quartiers étaient aménagés de manière à ce que la marche et le vélo satisfassent aux besoins de transport quotidien, de nombreux problèmes de santé seraient résolus. Finalement, il est maintenant clair que les déplacements en automobile sont associés à l'émission de gaz à effet de serre puis à la pollution atmosphérique. Et sachant que ces facteurs-là résultent en une mauvaise santé globale et qui contribuent au risque de décès prématurés et même de maladies respiratoires, on veut dissuader l'utilisation de l'auto dans la planification urbaine. Et c'est en quelque sorte qu'on a voulu faire à Laval, dans le projet de réaménagement du boulevard Le Corbusier Sud à Laval, donc en améliorant le transport actif et collectif. Ce boulevard était traditionnellement commercial et conçu à la base pour les automobiles, comme on peut voir sur cette image-là avec les nombreuses voies de circulation de chaque côté. La société de transport de Laval a voulu le rendre plus attrayant, plus confortable et plus sécuritaire pour les piétons, les cyclistes et les usagers du transport collectif. Donc, au lieu d'avoir un genre d'autoroute interne destinée aux automobiles, on a augmenté la surface utilisable pour le transport actif et le transport en commun. En termes d'infrastructures piétonnes, les trottoirs ont été élargis en ce qui a trait à l'aménagement paysager et au mobilier. Des arbres ont été plantés pour, entre autres, diminuer les îlots de chaleur et le système d'éclairage a été bonifié. Pour ce qui est des infrastructures cyclables, des bandes cyclables ont été ajoutées en bordure de la chaussée de chaque côté de la rue. Ce qui sert également de zone tampon pour protéger les gens qui marchent sur les trottoirs. Enfin, il y a une voie centrale qui a été destinée à un système rapide d'autobus, puis des arrêts accessibles et sécuritaires qui ont également été installés pour offrir plus de confort aux usagers. Voici de quoi ça a l'air, tout ça, en réalité. Donc, vous pouvez voir que de chaque côté de la chaussée, il y a des bandes cyclables unidirectionnelles. Vous pouvez également voir au centre en rouge les voies destinées aux services rapides d'autobus ainsi que les abribus installés tout au milieu. Il y a également les lampadaires de chaque côté de la rue qui ont été changés. Donc, vous pouvez voir un peu vous pouvez voir le avant-après avec les images partagées.
Évidemment, ce résultat final n'est pas nécessairement parfait encore, dans le sens où on ne rencontre pas ici toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées précédemment. Ça manque certainement un peu de compacité puis de connectivité, mais disons que c'est un premier pas vers l'avant, puis le fait de transformer un boulevard où se côtoient tous les usagers de la mobilité, c'est déjà vraiment un bon pas. Ultimement, ces améliorations permettent aux résidents actuels et permettront aussi aux nouveaux d'avoir accès à différentes options de mobilité, puis ça peut certainement contribuer à court, moyen, long terme à améliorer leur santé. Pour plus d'exemples de ce type-là, je vous invite à consulter le guide des rues conviviales sur notre site Internet. Vous y trouverez une dizaine de projets illustrant les transformations un peu du même type qu'on vient de voir à Laval, puis où est-ce que il y a des images aussi parlantes là, du avant-après, donc si ça vous intéresse, tout ceci est sur notre site web. Maintenant qu'on a vu comment l'urbanisme participatif avait un impact sur le transport actif et donc sur la santé, j'exposerai ici comment l'urbanisme participatif a des impacts sur l'équité. Dans un premier temps, je pense qu'il est pertinent de se pencher sur ce que c'est réellement l'équité. C'est en fait l'allocation juste des ressources en se basant sur les réels besoins de la population. Donc, c'est en fin de compte de donner accès aux mêmes opportunités à tous, pas seulement donner accès aux mêmes choses. Un peu comme on peut voir dans la partie du haut de l'image, au lieu de donner le même vélo à tout le monde, ce qui est en fait de l'égalité, on prend soin d'analyser les besoins de chacun pour adapter le vélo en fonction de ces besoins-là, pour qu'au final, tout le monde puisse jouir des mêmes opportunités. Donc, l'équité dans l'urbanisme, c'est le processus en soi. Ce processus-là, c'est un outil d'équité parce qu'il prend soin de représenter une diversité de personnes en représentant, bien sûr, celles ayant des points de vue qui ne sont pas majoritaires. Autrement dit, comme l'indique son nom, il donne l'occasion de participer à tous les groupes de la population, dont ceux dits vulnérables. À cet égard-là, je pense qu'il est important de définir aussi la vulnérabilité, puis de comprendre comment une personne peut devenir vulnérable. Le concept de vulnérabilité, c'est un concept qui est assez complexe, pouvant inclure les caractéristiques biologiques, comme le genre, l'identité sexuelle, l'âge, la condition physique et psychologique. Ça inclut aussi les caractéristiques sociales, comme l'identité culturelle et religieuse, et la pauvreté, souvent liée au revenu salarial et au niveau de scolarité. Ça touche aussi aux caractéristiques environnementales, c'est-à-dire vivre dans un logement insalubre ou avoir un accès limité à un réseau de transport en commun, par exemple. Donc, ce sont des exemples, il en existe évidemment d'autres. Toutefois, ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement vulnérable si on est, par exemple, une femme, une personne âgée ou une personne à mobilité réduite. C'est l'environnement dans lequel on vit, qu'on est et grandit qui le déterminera. Et à titre d'exemple, pour mieux comprendre les inéquités qui touchent les personnes vulnérables, c'est celui des îlots de chaleur. Donc, en des termes très concis, un îlot de chaleur, c'est un secteur urbanisé où les températures sont plus élevées que dans les secteurs environnants. Par exemple, toute surface composée d'asphalte, de béton, de goudron, comme le stationnement d'un magasin à grande surface ou d'un centre commercial, peut être un îlot de chaleur. Les routes ou les toits goudronnés peuvent aussi en être. Donc, les îlots de chaleur, là, c'est pas juste un phénomène de centre-ville, ça se forme aussi dans les quartiers résidentiels ou dans les banlieues. Selon la direction régionale de santé publique, les personnes les plus vulnérables à la chaleur sont les personnes âgées, celles à faible revenu, celles souffrant d'isolement social, de maladies chroniques ou de troubles psychotiques, et celles habitant dans un îlot de chaleur, bien évidemment. Alors, on entend souvent parler des personnes âgées en situation de vulnérabilité lors des périodes de canicule, mais on peut remarquer ici que c'est pas seulement
ces personnes-là. C'est pas juste les personnes âgées qui sont à risque, là. Il y a plusieurs autres groupes qui le sont également. L'Institut national de santé publique du Québec transmettait en 2018, à la suite des épisodes de chaleur extrême, la cartographie suivante. Et on voit le lieu de résidence des personnes décédées en lien avec la chaleur et la présence d'îlots de chaleur à Montréal. On se rend compte que l'environnement externe, ici, là, la zone d'îlots de chaleur, a effectivement un impact majeur sur la santé des personnes vulnérables. Puis je dis sur la santé, mais dans le fond, c'est sur le fait de vivre ou de ne pas vivre. Selon l'enquête, les personnes vulnérables qui habitent dans un îlot de chaleur urbain sont deux fois plus à risque de décès lors d'un épisode de chaleur extrême. Dans le fond, la conclusion qu'on tire ici, c'est que si ces personnes, celles impactées, si elles prenaient part aux décisions, ça permettrait de trouver des solutions aux enjeux auxquels on pense pas toujours. Puis ultimement, on pourrait réduire les inégalités en santé, que ce soit par la réduction de surface bétonnée à certains endroits précis, que ce soit l'augmentation d'espaces verts, la plantation d'arbres à des endroits stratégiques dans le quartier, ou l'adoption d'un règlement où on évite l'utilisation de l'asphalte dans certaines zones données. Les résidents savent mieux que n'importe quel professionnel quel lieu et quelle action prioriser. Un autre exemple pour mieux comprendre le concept d'inéquité est celui des collisions. Donc, il existe effectivement des inéquités criantes en ce qui a trait au nombre de collisions entre véhicules et piétons dans le quartier défavorisé. Par exemple, à Calgary, même si les collisions entre véhicules motorisés et piétons se produisent partout sur le territoire de la ville, elles semblent malheureusement être plus fréquentes dans les quartiers défavorisés. Effectivement, là, comme on peut voir sur la carte à droite où j'attire votre attention, les plus gros cercles rouges, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus grand nombre de collisions, ces cercles rouges-là surplombent les quartiers bleu pâle, les zones bleu pâle, c'est-à-dire les quartiers défavorisés où le revenu médian par ménage est assez faible. Donc, disons que les piétons sont plus à risque dans les quartiers défavorisés. C'est ce qu'on a retiré de cette étude-là. Il y a également une autre étude de Montréalaise qui a été faite où on se rend compte où il y a 6,3 fois plus de collisions dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers riches. Excusez-moi, je vais juste retrouver où est-ce que je suis rendue. Puis, finalement, il y a aussi une autre étude qui a été faite à Toronto où on a constaté, selon un rapport de la Direction de la santé publique, que les intersections du centre-ville, secteur riche où est-ce qu'il y a plus de piétons, ont moins de collisions que les secteurs défavorisés. Donc, encore une fois, c'est en impliquant les personnes impactées dans la prise de décision qu'on peut réduire les risques de collisions sur un territoire donné et qu'on parvient à trouver des solutions aux enjeux orphelins là, auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, que ce soit l'implantation de traverses piétonnes à un endroit précis, que ce soit la réduction de la vitesse sur une rue bien définie ou l'implantation d'un îlot de refuge, un nouveau refuge pour piétons sur un grand boulevard. Il y a une solution. Bref, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est d'impliquer les bonnes personnes. Une autre façon que pour arriver de réduire les inéquités en santé, c'est d'adopter la vision zéro. Cette vision-là découle de la stratégie de sécurité routière de la Suède de 1997. Puis l'idée, là, en gros, c'est qu'aucune perte de vie, ni blessé grave, n'est acceptable sur le réseau routier. Ce principe-là tient à montrer qu'il est possible d'améliorer le bilan routier ici au Québec en transformant les milieux de vie plus sécuritaires. Sachant que 37 553 personnes ont été blessées sur la route en 2016, Réseau Quartier Vert s'efforce d'éliminer complètement les accidents mortels en s'assurant d'inclure tous les acteurs pertinents dans l'aménagement du réseau routier. Puis sachez que
L'action zéro peut aussi s'inscrire dans la mission de votre municipalité, puis que vous pouvez aussi viser à ce qu'il y ait zéro décès ou blessé grave sur votre territoire. Puis si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur les principes de cette vision, sur ces axes d'intervention, ou savoir qui sont les usagers vulnérables, encore une fois, tout est sur notre site web. Donc, je vous invite à le consulter. C'est vraiment un site qui est complet. Voilà. Donc, en plus de privilégier, ouais, les milieux de vie actifs et les milieux de vie sécuritaires, RQV privilégie aussi l'accès équitable aux espaces verts dans ses axes d'intervention. Les espaces verts, en fait, sont des espaces urbains, comprenant des terres vertes, naturelles, semi-naturelles ou artificielles, procurant de nombreux avantages aux différents groupes de personnes à l'intérieur des limites d'une ville. Donc, ceci est une définition, il y en existe évidemment plusieurs autres, mais sachez que les espaces verts, là, ce sont finalement les cours d'école, les parcs, les terrains de jeu, les boisés, les abords de cours d'eau, les jardins communautaires, et j'en passe. Donc, encore une fois, il existe des inéquités en lien avec ces espaces verts. Plusieurs populations urbaines y ont un accès insuffisant. Par exemple, à Montréal et à Québec, l'accès est généralement moins bon chez les populations défavorisées. À Montréal spécifiquement, les plus riches ont systématiquement accès à des espaces plus grands et à des chemins pédestres et cyclables pour s'y rendre, ce qui renforce leur accessibilité. Pourtant, l'importance de jouir d'un accès aux espaces verts est très grande, donc c'est dommage que ce soit simplement un certain groupe de personnes qui aient accès, parce que du point de vue de la santé, on remarque une incitation à l'activité physique, on remarque aussi de plus bas taux d'obésité et de mortalité, une réduction du stress et une amélioration du bien-être psychologique. Puis enfin, les espaces verts permettent de limiter les dépenses en santé publique, ce qui est d'autant plus intéressant dans un contexte de vieillissement de la population. En résumé, planifier l'accès aux espaces verts peut faire une énorme différence sur la santé des populations, surtout celles dites vulnérables. Ça, c'est un peu bizarre. Bon, dans tous les cas, RQV a d'ailleurs travaillé sur un projet à Toronto en lien avec le Don Valley Ravine et les espaces verts aux alentours. Donc, le Don Valley Ravine, en fait, c'est une des plus grandes ressources écologiques de la ville. Donc, un énorme potentiel de fréquentation et d'utilisation. Par contre, comme vous pouvez voir sur cette photo, cet endroit est déconnecté un peu du reste de la ville, puis est difficile d'accès là, pour les deux communautés. Il existe deux communautés immigrantes vivant à proximité, donc c'est assez précaire comme accès. Puis les entrées menant au sentier sont mal indiquées, sont très abruptes, ce qui fait en sorte qu'on ça ne sert pas vraiment les gens d'une part à l'utiliser, mais d'une autre à faire de l'activité physique. Puis en plus, ça augmente l'isolement des deux communautés à proximité. Par contre, on s'est vite rendu compte avec les sentiers piétinés que le désir d'accéder au parc était existant, puis qu'effectivement, des interventions étaient nécessaires. Donc, le Toronto Center for Active Transportation, un des trois organismes communautaires dont j'ai fait mention plus tôt, s'est allié avec des groupes locaux comme les professionnels de la santé publique, des décideurs locaux, puis bien évidemment, les citoyens, dont une grande majorité de nouveaux arrivants. Puis ensemble, ils ont trouver des solutions pour donner un meilleur accès, plus sécuritaire et clairement mieux balisé à cet endroit négligé. Les ateliers professionnels et les forums communautaires ont donné une voix aux préoccupations des citoyens, comme celle où un participant évoquait l'importance de faire découvrir cette grande vallée, ce grand parc, puis son potentiel de connectivité à différents lieux dans la ville, parce que comme il mentionnait, la plupart des gens n'étaient pas au courant à quel point c'était un lieu qui pouvait connecter les gens à différents endroits dans la ville. Donc, au final, ce qui est ressorti de ce processus-là, c'est un rapport de recommandation élaboré par l'organisme local. Je vous en présente quelques-unes ici. Donc, on a proposé, entre autres, l'aménagement d'un nouveau trottoir, l'implantation d'un passage piéton aussi pour accéder plus facilement au parc à pied,
et pour rendre les déplacements à pied plus sécuritaires. On a également proposé l'installation de panneaux informatifs, des panneaux qui informent sur, oui, le parc, mais ses points d'accès puis ses sentiers pour faciliter les déplacements au cœur de la zone naturelle, mais également sur vers l'extérieur de la zone. Puis, une aire pavée a également été proposée pour marquer clairement l'entrée du parc. Donc, il est bon de comprendre que même si toutes ces recommandations-là sont bonnes, puis qui apaisent en quelque sorte les problèmes d'accessibilité, d'isolement et de sédentarité, la décision finale revient à la ville. Donc, d'où l'importance et l'existence de cette série de webinaires qui veut en fait encourager la mise en œuvre de l'approche d'urbanisme participatif dans les pratiques des décideurs, parce que nous, le mieux qu'on puisse faire en tant qu'organisme non gouvernemental, c'est de faire des recommandations, mais par la suite, il doit y avoir validation de la part de la ville. Comme dernier exemple, il est question d'iniquité vis-à-vis de l'accessibilité qui est donnée aux établissements de santé. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est clair que ces établissements-là vont être de plus en plus utilisés, et ce, partout dans la province, là, pas juste dans Châteauguay-Maisonneuve ou sur l'île de Montréal. Si les aménagements aux alentours sont conçus uniquement pour y accéder en automobile, certaines personnes voient leur accès limité. Si elles doivent se rendre en fauteuil roulant ou à pied, par exemple, puis c'est parfois même dangereux, là. Donc c'est exactement pourquoi les visites de terrain ont été faites autour du CNSC dans Châteauguay-Maisonneuve. C'est en fait pour y améliorer l'accessibilité piétonne. Lors de ces visites, accompagnées de citoyens, dont certains à mobilité réduite, des diagnostics ont été posés, et ce qui est ressorti surtout, c'est l'incommodité des lieux. La vitesse trop élevée des autos dans les rues là, avoisinantes, surtout celle en face et le boulevard Pinot qui est très proche. Il y avait aussi le fait qu'il manquait de verdure dans les axes à proximité, puis peu d'espace pour sécuriser les piétons. Donc, pour solutionner tout ça, le Centre d'écologie urbaine de Montréal a fait des recommandations comme celle d'implanter des îlots refuges pour les piétons au milieu du boulevard Pinot, parce que si on connaît bien ce boulevard, on sait qu'il est très achalandé et où c'est un boulevard où les autos circulent de façon très rapide. Puis aussi, on a proposé des passages piétons avec des comptes numériques en face et à côté du CLSC, et on a demandé d'abaisser la circulation à l'aide de dos d'âne et d'installer des bancs et de bonifier le verdissement de la rue. Donc, bref, toutes ces mesures-là seraient vraiment nécessaires dans un contexte urbain aussi dense et piétonné que Hochelaga. Par contre, les personnes âgées qui sont plus à l'aise de conduire, ou des personnes à mobilité réduite, ou même des personnes sans auto, ça existe partout dans la province. Puis c'est en les impliquant dans la prise de décision qu'on peut réduire les inéquités les concernant, puis ultimement leur offrir des aménagements conçus selon leurs besoins et des aménagements favorables à l'accessibilité piétonne aux abords des établissements de santé. Donc, ça fait déjà le tour de notre premier webinaire, là, ça passait vite. On est maintenant rendu à la période des questions. Il se peut qu'on, on en a récolté quelques-unes, mais il se peut qu'on n'ait pas le temps de toutes les passer, quoi qu'il en soit. On récoltera toutes ces questions à l'écrit. Et on écrira également les réponses, puis on archivera tout ça sur le site internet. Donc, soyez sans crainte. Je vais vous présenter mon collègue qui m'assistera dans la période de questions. Donc, Michael Saint-Pierre, coordonnateur national pour réseau quartier vert et urbaniste et chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Bonjour, Michael. Bonjour. Est-ce que je mets le casque ou... Je le partage en cet instant. Voilà la logistique du webinaire. J'ai le casque. Peut-être présentement, nous n'avons pas de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le petit chat. On peut prendre peut-être quelques instants si jamais vous avez une question en tête et vous êtes en train de l'écrire. Comme Argelle l'a dit, on va archiver toutes les questions sur le site web, ainsi que la présentation PowerPoint, comme l'a demandé Sylvie Lavoie un peu plus tôt.
lors de la séance, puis on va également archiver le vidéo de la séance ainsi que toutes les séances par la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si jamais bien, on n'a pas de questions pour cette séance-ci, dans les prochaines secondes, mais il y a une question qui vous vient en tête d'ici la fin de la journée ou la fin de la semaine, n'hésitez pas à vous écrire. Je vous invite à fermer votre micro aux participants. Très bien. Bon, alors, c'est les joies de la technologie. Alors, ben, je vois qu'on n'a pas de questions, mais comme je disais, s'il y a une question qui vous vient en tête... Ah, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, nous avons Claude Boulevret de Passier. Que dire de la différence entre les discours des professionnels universitaires et les discours non experts des gens d'un quartier? Alors oui, ben évidemment, là, c'est une dualité. Comme Marie-Gérelle l'a dit au départ, l'approche qu'on a développée, l'approche de l'urbanisme participatif en faveur de la santé, la façon qu'on voit ces discours et ces expériences-là, c'est des discours et des expériences qui sont complémentaires. Évidemment, lorsque on a probablement des professionnels de l'aménagement qui sont sur le webinaire présentement, c'est pas les professionnels de l'aménagement qui vont apprendre qu'il faut faire des toits verts, par exemple, ou qu'il faut planter des arbres lors d'un processus participatif. Vous le savez déjà. En contrepartie, lorsqu'on identifie bien les objectifs, les activités qu'on veut faire dans le cadre d'un processus participatif, on est capable d'identifier des enjeux qui sont ce qu'on appelle les enjeux orphelins, c'est-à-dire des enjeux auxquels on n'avait pas nécessairement pensé préalablement. L'exemple du CLSC est un exemple intéressant dans un contexte de vieillissement de la population. Dans toutes les municipalités du Québec, on a des établissements de santé, que ce soit des CLSC, que ce soit des cliniques, que ce soit des hôpitaux, des instituts universitaires. Et c'est pas nécessairement des établissements qui ont été conçus en pensant à l'accès universel, l'accès en transport actif. Souvent, c'est des établissements où on va avoir pensé surtout tout à l'auto, ce qui est normal, ce qui est correct aussi. Mais parfois, de travailler avec les usagers, comme par exemple les usagers de l'établissement de la santé, peut permettre de faire ressortir certains enjeux d'accès. Par exemple, c'est ce qui est arrivé au CLSC dans Château-Maisonneuve, où on a travaillé avec des usagers pour être capable d'identifier des potentielles recommandations pour améliorer l'accès à l'établissement de santé. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas voir les discours professionnels et les discours de non-experts comme étant des discours qui sont en compétition, entre guillemets. Il faut vraiment les voir comme des discours qui sont complémentaires. Puis, pour être capable de bien faire valoir cette complémentarité-là, il faut bien penser à la façon dont on fait intervenir les non-experts, pour reprendre l'expression de M. de Passier, et pour que ces non-experts-là qui participent au processus de conception, éventuellement, puissent contribuer à l'implantation de solutions d'aménagement qui sont bonifiées. Il y a également Marie Réveillé qui pose une question. Comment faire face à un public pro-auto? C'est une excellente question. Évidemment, selon le contexte dans lequel vous vous insérez, si vous êtes, je sais pas, dans un quartier central d'une ville très dense ou dans une banlieue, dans une région, évidemment, l'utilisation de l'automobile a une importance plus ou moins grande, mais si on regarde la part modale des automobiles au Québec, elle reste quand même assez importante, même au Canada, au-dessus de 70%, 80%, 90% dans certains secteurs. La question est quand même assez vaste, mais si je peux me permettre, si l'argumentaire, ou en fait si le biais qu'on a en tant que professionnel d'aménagement, en tant qu'élu ou en tant que groupe, si le biais qu'on a, c'est de faire un projet en faveur de la mobilité active, en faveur du verdissement, de l'adaptation au changement climatique, et qu'éventuellement ça peut avoir un impact sur les usagers, les automobilistes qui utilisent un secteur ou un territoire, et que nous, éventuellement, on vise une transformation du secteur en faveur de modes un peu plus doux, en faveur de la diminution des gaz à effet de serre, si je peux me permettre. Ben, je pense que c'est important de vraiment bien développer son argumentaire
pour le projet, d'où l'importance d'effectuer des diagnostics qui sont quand même assez importants. On a nommé à quelques reprises urbanisme-participatif.ca. Vous pouvez trouver sur le site web différents outils qui permettent de faire des diagnostics, mais si par exemple le constat qu'on fait, c'est que, là je vais vulgariser très très rapidement, on a trop de voitures qui passent dans un secteur résidentiel et on veut diminuer et qu'on s'attend à ce qu'il y ait un ressac, qu'il y ait une mobilisation contre cette décision-là, ben d'où l'importance d'avoir un diagnostic, de travailler avec des professionnels multidisciplinaires, soit les professionnels de la santé, les professionnels de la mobilité, les gens du quartier, les usagers, les divers usagers, pour être capable d'éventuellement poser un constat qui est le plus juste possible et de développer un argumentaire en faveur de notre projet. Il y a Stéphanie Côté qui pose la Stéphanie Doré, c'est-à-dire qui pose la question côté financement, est-ce toujours assumé par les municipalités? J'imagine que vous posez une question par rapport aux projets qui sont réalisés par le réseau Quartier Vert. Le projet Réseau Quartier Vert est un projet qui est financé par l'Agence de la santé publique du Canada, qui nous a permis de développer cette approche d'aménagement en faveur de la santé. Comme vous le voyez, comme Marie-Gelle l'a bien expliqué, on a également contribué à de la recherche, au développement d'outils. C'est vraiment toute cette approche-là qui est développée en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada. Toutefois, on a travaillé dans 16 communautés au Canada. Ces projets pilotes-là étaient grosso modo assumés par l'Agence de la santé publique du Canada, mais les différentes organisations, que ce soit le Center for Active Transportation, le Centre d'écologie urbaine ou Sustainable Calgary, ont également des activités où on travaille directement avec des municipalités et le montage financier diffère. Ça peut être avec des montages financiers, avec des contributions de la municipalité, avec des subventions. Il y a différentes opportunités qui permettent de développer l'approche d'urbanisme participatif en faveur de la santé avec les membres du réseau Quartier Vert au côté financement. Il y a Marie Réveillé, encore une fois, qui nous pose la question, quelle approche participative mettre en place? Et là, je crois que la question est peut-être incomplète. Donc Marie, je vous laisse peut-être quelques instants pour préciser votre question et je passe à la question de Paul Mackay. Est-ce que vous trouvez que les élus du Québec sont plutôt favorables à l'urbanisme participatif? Il y a différents éléments de réponse. Dans un premier temps, depuis récemment, il y a eu une réforme législative au Québec qui fait en sorte que, ou du moins qui encourage les municipalités à être un peu plus réceptives au processus participatif. Je fais référence à ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps que ça, le projet de loi 122, qui propose aux municipalités d'intégrer, en fait, d'adopter des politiques de participation publique pour revoir un peu la façon dont on planifie l'aménagement du territoire. Est-ce que les élus du Québec sont favorables à l'urbanisme participatif? Selon les expériences qu'on a aux quatre coins de la province, puis même un peu partout au Canada avec le réseau Quartier Vert, on voit que l'urbanisme participatif peut contribuer de façon assez intéressante, tant pour les décideurs que les professionnels, de la simple façon d'impliquer les résidents d'un quartier, ça va les amener à adhérer à un projet. Donc, il y a des bénéfices. Si on pose la question du point de vue d'un élu, « What's in it for me? » Permettez-moi l'anglicisme. On croit que l'approche d'urbanisme participatif peut contribuer à établir un dialogue entre les élus, les résidents et éventuellement bonifier des projets. Puis je pense que ça, c'est probablement ce que la plupart des élus dans les municipalités québécoises veulent, avoir des projets qui sont acceptés par la population et où les gens ont leur mot à dire et peuvent influencer positivement le projet. Alors, on a Marie Réveillé. Donc, je parle dans un milieu urbain dans lequel l'auto a une très grande place. Écoutez, c'est peut-être un petit peu difficile de répondre à votre question. Si vous avez un projet précis en tête, je vous invite à communiquer avec nous directement si pour bonifier la réponse. Peut-être que je prendrai une dernière question de Marie-Christine Gervais. Est-ce que le réseau Quartier Vert fait des projets en milieu rural? Oui, l'approche d'urbanisme participatif en faveur de la santé qu'on a développée dans le cadre du projet Réseau Quartier Vert est une approche qui a été testée tant en milieu un peu plus urbanisé, si vous me permettez l'expression,
que dans des milieux suburbains et dans des milieux ruraux. Au Québec, on a eu l'expérience en milieu suburbain, si vous me permettez l'expression, de travailler entre autres à Saguenay, à Shawinigan également, et des exemples en Ontario, et surtout en Ontario, oui, où on a travaillé à l'implantation d'une rue conviviale dans un secteur un peu plus rural. Donc, on pourrait penser, ah ben là, nous, on est dans un secteur rural, on est plus, on a besoin de l'auto, il y a pas vraiment d'autres options. Et bien, on a travaillé avec l'approche d'urbanisme participatif à voir comment est-ce qu'on peut adapter une rue conviviale qui intègre la notion d'usager vulnérable, qui intègre une certaine hiérarchisation des usagers, qui intègre des usages de mobilité active et de mobilité collective au sein des routes d'un secteur. Donc oui, on a fait le test, l'expérimentation de projets de l'approche urbaine participative dans des milieux ruraux. Je vois qu'il y a d'autres questions. Comme je le disais au départ, nous allons archiver toutes les questions et les autres questions, vu que le temps en manque, là, on approche bientôt 14 heures. On va répondre aux autres questions et on va tout mettre en ligne sur urbanismeparticipatif.ca. Je vous remercie de vos nombreuses questions et de votre participation. Je redonne la parole à Marjolaine pour la fin du webinaire, mais je me permets de la remercier pour cette séance-là et j'espère que vous serez tous au rendez-vous pour les prochaines séances. Merci à toi, Michael. Donc, en espérant que vous avez apprécié vous avez apprécié la période de questions aussi, puis les nouvelles connaissances que ce webinaire a diffusées. Et on espère que ça va vous permettre de les appliquer puis de vous servir dans le contexte respectif. À noter que les prochains webinaires se tiendront le mercredi 18 septembre et le mercredi 30 octobre. Donc, il y aura deux webinaires à venir. Le deuxième webinaire portera sur les outils de mise en œuvre d'urbanisme participatif. Puis, le troisième webinaire portera sur les politiques publiques et les projets inspirants par rapport à cette approche-là. Sachez que si vous êtes inscrit dans le présent webinaire, là, vous recevrez par courriel toutes les informations nécessaires pour les prochains webinaires. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de vous tenir à l'affût. Sinon, les réseaux sociaux et notre infolettre en parlera certainement, donc tous les détails viendront. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de RQV, merci de votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé à la période de questions également. Je mets à l'instant dans la fenêtre de discussion le lien pour compléter un formulaire d'évaluation. Là, on vous encourage à le faire pour qu'on puisse améliorer nos prochaines séances. Donc, je le fais à l'instant. Pour que vous puissiez cliquer sur le lien, puis aller compléter le formulaire d'évaluation. Donc, simplement cliquer dessus, puis vous allez avoir accès à un beau formulaire et que vous pourrez compléter facilement, rapidement. Donc, encore une fois, merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir à notre prochaine séance de webinaire. Bonne journée!